tous, j'espère que vous allez bien, c'est Chaos. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un petit display. Vous savez, le petit display déchiré là avec son blister. Donc c'est un petit display origine antique. Bon, on va faire ça en plusieurs parties, hein, parce que sinon, voilà, ça va être super long. Donc je pense qu'on s'en fera 6. Ouais, on s'en fera 6. Donc bah écoutez, allez, on est parti tout de suite. On enlève ce blister déjà déchiré. Tac. Tac. Et voilà, c'est parti. Donc le petit display origine antique, où j'ai jamais de chance d'ailleurs dans cette série. Là, vous commencez à le savoir normalement. J'ai même pas envie de le... Ouais, bah, si on va essayer de le mettre. Alors attendez, parce que c'est déjà le bordel. Tac. Et c'est... on va dire que c'est bon. On va juste faire ça. Ah, par contre, il m'a l'air un peu épais quand même le petit. Hein. Bon, ah bah écoutez, on va en prendre 6. Je vais juste vérifier, vu que c'était déchiré, je vais juste vérifier les 4 premiers boosters. Histoire de voir si... Ouais, non, normalement c'est bon. Ouais, après c'est le retour de ou pas. Donc on va en prendre 6. Puis on verra, hein, voilà, on va faire ça par 6. Donc on va se prendre un ou pas et un groudon. On va ensuite prendre le Tyranocif et le Rayquaza, si je dis pas de bêtises. Et on va en prendre deux derrière. Tac. Alors on va faire ça comme ça. On met le display, la display de côté. On fait pas d'ordre. On va y aller un peu. On va y aller un peu n'importe comment. Donc allez, on est tout de suite parti. Parce qu'un display, ça va être très très long à ouvrir. Bon, même si vous, voilà, vous le verrez pas en une partie, mais bon, bref. Donc le petit code, on est parti, on fait 3, on les met devant, et c'est parti. Allez, espérons que ce display soit mieux que tous les duo packs et les boosters origine antique que j'ai pu ouvrir. Donc top dresser, jolie fleur que je redis, vraiment, vraiment super beau. Super belle, hein, du coup. Forêt de plantes géantes, Marest, Mimigal. Ah, mais bien. Axoloto, Mucuscule, Evoli, Metalos, c'est une rare, hein. Oui, bah oui. Metalos en rare reverse, qui n'est pas foulard ou semi-foulard, hein. Faut pas dire foulard, mais j'ai plus le mot en tête. Donc, bah, du coup, bah, tant pis. Et on termine avec bah, une holographique, la Porygon Z. Bah, écoutez, commencer par une holo, c'est bien. Bon, on l'a déjà, du coup, voilà, mais je vais quand même la mettre sous pochette. Ouais, hop, il n'y en a plus. Bon, c'est pas grave, il y en a à côté encore. Donc la petite Porygon Z, on va la mettre sous protection. Bon, d'ailleurs, on va faire pareil allez, avec la Metalos. Comme ça, au moins, c'est les premières du display, on leur rend un peu hommage. Hop, et voilà. Tac, et on est reparti. Avec du ou pas. Ouais, c'est du ou pas. D'ailleurs, j'aimerais bien ne plus avoir de ou pas EX parce que j'en ai tellement eu de ces ou pas que voilà, j'en ai un peu marre de ou pas. Sauf en EX. Après, en foulard, bon, c'est voilà, c'est différent. Donc, 3. Et on est reparti. Alors, ville abandonnée. Attendez, parce que j'ai pas trop de place. Je sais pas comment je. Hop, comme ça. Colimucus, Niveau Ball, Axoloto, Magikarp, Sepiatop, Zarbi, Evoli, Sepiatros en reverse. Et on termine avec Kaorin. Voilà, voilà, voilà. On enchaîne avec le booster Tyranocif. C'est ça? Oui, c'est ça. Ah, quand j'arriverai à l'ouvrir celui-là, disons. Hop. Le petit code, je vous le donne après. On refait du 3, comme d'hab. Hein. Allez, c'est parti. Lien spirituel, Junko, Motisma, énergie spéciale, Apitrini, Sepiatros, Balbuto, Zarbi, Magikarp, Motisma en reverse. Et on termine avec Gardevoir holographique, qu'on a aussi déjà. Mais bon, de toute façon, ce qui nous manque, voilà, c'est quelques foulards, donc... En tout cas, ça reste une holo. Allez, on enchaîne. Encore deux. Pas trois avec celui-là, avec le Rayquaza, là. Hop. Tac. Ça, c'est pour vous. Du coup, je vous donne celui-là aussi. Et on nous refait du 3. C'est reparti. Alors, Braille écologique, Niveau Ball,
Kirlia, Balbuto, Persian, Magikarp, Pyrony, Mimigal sur son petit toit, lien spirituel Faramp, ça c'est un signe. Ça c'est un signe. Enfin j'espère. Et on termine à... Voilà, bah c'était un signe, mais pas sur le... Et on termine avec un petit Tyranocif EX. Bah là pareil qu'on a déjà. Qu'on a déjà, je sais pas si... Ouais. On va là juste la vérifier derrière. Elle a encore un petit point blanc. Un tout petit. Bon, celui-là, franchement, oui, il est vraiment tout petit. Non, bon, elle est jolie, hein. Mais bon, c'est un peu chiant, quoi. C'est... Voilà, c'est, on a tellement envie d'avoir des cartes qu'on n'a pas. Que du coup, même tomber sur des cartes qui sont vraiment belles. Bon, même si celle-là, elle a quand même un petit problème, là. Il nous fait le grand écart, le monsieur, là. Mais, bref. Voilà, tomber sur des cartes qu'on a, bon, c'est top. Mais bon, ça fait quand même un peu chier, bon, pas se mentir. Bon, allez, on continue. Bon, en tout cas, ça... Voilà, 6 bons boosters, quand même, hein, pour le moment. Le petit code. Tac, on fait du 3. Et on est parti. Pyroli, que j'adore, qui est trop chou. Énergie, danger, énergie spéciale. Motisma, Golemastoc, Terral, Balbuto, Sepiatros, Mucuscule, Tarsal en reverse, qui d'ailleurs, du coup, en reverse, je trouve la carte très belle. Ouais. Et on termine avec un Muplo. Encore une holographie. Donc, avec un petit Muplodocus holo, bon, qu'on a déjà. Mais ça reste une holographique. Et on s'occupe du dernier booster, donc qui est un Oupa. Quand j'arriverai à chaque fois à les ouvrir. Tac. Le petit code. Hop, on fait du 3. Et on est reparti pour le dernier. Alors, ville abandonnée. De nouveau mon petit Pyroli. Lissandre, Axoloto, Terral, Mimigal, Magikarp, Mucuscule, Reliquante en reverse, et on termine avec... Non. Avec un petit Entei. Nickel. Bon, bah écoutez, non, c'est une chouette première ouverture, quand même. Bah, non, le... Ouais, c'est... On a bien pris nos boosters, on va dire, dans le display. Pour le moment, voilà, les 4 premiers, les 2 derniers, ça a payé. Bon, on retiendra cette Tyranocif, qui est quand même super jolie, même si on l'a déjà. Bon, voilà, au moins, ça montre que même un blister déchiré, on peut y aller quand même, hein, sur un display. Donc ça, c'est chouette. Bah écoutez, donc il y a encore du taf. Donc on vous fera ça en plusieurs parties. Dessy en fera certainement aussi, hein, ça, il n'y a pas de problème. Puis voilà, bah j'ai tout dit, hein. Bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah non, il n'y a plus rien à dire, hein, l'ouverture elle est finie. Donc si la vidéo vous a plu, déjà j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, tout ça, vous commencez à connaître la chanson, il n'y a pas de problème sur YouTube. Tapez le pouce bleu, hein, tapez-le surtout, imaginez que c'est votre pire ennemi. Voilà, que voilà, vous avez envie de le frapper, alors frappez-le. Et imaginez que le pouce rouge, c'est votre meilleur pote. Et à votre meilleur pote, on fait rien. Donc occupez-vous juste du pouce bleu. Voilà. Bah écoutez, moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Je sais pas encore ce que ce sera. Peut-être de la présentation ou alors de l'ouverture, je sais pas. Non, à voir. Bon bah en tout cas, bah écoutez, bah bonne continuation et profitez à fond de votre passion. Allez, salut à tous.